Ici Yannick pour DVD French Only. Le DVD aujourd'hui que je vais vous parler est le film indien Chani Choke to China, réalisé par Nikhil Advani. Sidhu, modeste cuisinier, découpe des légumes dans une petite échoppe sur Chani Choke à Delhi. Voulant échapper à cette vie morne et ennuyeuse, il consulte astrologue, voyant, fakir, refusant de croire en lui-même malgré les efforts de son père adoptif. Jusqu'au jour où deux étrangers chinois lui révèlent être la réincarnation d'un héros de la guerre et l'emmènent en Chine pour lui apporter joie et richesse. Depuis quelque temps, les films indiens qu'on appelle Bollywood deviennent très populaires en Amérique. La preuve, Slumdog Millionnaire. J'ai aimé le film. Le film est comique, avec quelques scènes un peu bizarres durant le film. Les effets spéciaux sont très bien faits. La musique et la danse qu'on voit dans le film, souvent, sont vraiment très entraînant. Les scènes de bagarre sont très bien faites. Moi qui adore les films chinois et japonais, j'ai trouvé ça vraiment spécial, le mélange entre les deux styles de films indiens et chinois. De mon opinion à moi, le film est un peu trop long. Il dure 2h30. À un moment donné, dans le milieu du film, on décroche, mais après, vers la fin, on réembarque dans le film. Moi, je conseille le film à ceux qui aiment les films étrangers, surtout indien. Mais si vous aimez pas lire des sous-titres, parce que le film vient seulement en langue hindoue, je vous le conseille pas vraiment. Côté bonus DVD, il n'y en a aucun. Le film vient en langue hindoue avec des sous-titres en anglais, français doublé au Québec et espagnol, et le film est en widescreen. Comme je disais tantôt, si vous aimez les films étrangers, surtout Bollywood, vous voulez voir quelque chose de différent, je vous conseille fortement de jeter un coup d'œil à ce film. Pour le film, je donne un gros 3 étoiles sur 5 et pour le DVD, 2 étoiles sur 5. C'était Yannick pour DVD French Only. Bon visionnement!